Mon métier est de promouvoir la partie génie climatique au sein du groupe Rexel. Ça consiste à mettre tout en œuvre pour aider nos équipes en interne et nos partenaires installateurs à grandir sur ce segment de marché. Mon secteur géographique démarre des Hautes-Alpes jusqu'aux Alpes-Maritimes, en passant par le Var et les Bouches-du-Rhône. Je suis les équipes et les clients à travers leurs demandes et leurs spécificités. Salut Fabrice. Salut Jackie. Ça va? Bien et toi? Ouais, PK, merci. Bon, j'ai rendez-vous avec Aurélien sur son chantier chaudière gaz, t'en sais un peu plus? Il m'en a parlé, il m'a appelé hier, oui, on a un point à éclaircir sur la régulation. Bon, je fais le point avec lui et puis je te fais le point en rentrant. Allez, ça marche, à tout à l'heure. Nous sommes à Digne-les-Bains, nous allons sur le chantier Tivoli, c'est la réfection d'une chaufferie pour deux barres d'immeubles qui comprend 52 logements. Salut Aurélien. Salut Fabrice. Ça va? Ça va bien? Ouais, impeccable. La solution préconisée a été un système à gaz à condensation qui remplace donc un système vieux de 50 ans au fioul. Donc l'idée c'était d'apporter un maximum de confort aux usagers et surtout une performance énergétique accrue. Aurélien est un client chauffagiste, donc ça sort un petit peu de notre typologie habituelle de client électricien. Notre relation, elle se fait au quotidien et c'est la proximité qui compte. L'idée, c'est de lui apporter un maximum de services suivant son cas de figure et surtout sa demande. Je vais noter la référence qui est 124-278. C'est très important que Fabrice puisse se déplacer sur les chantiers pour apporter des solutions comme là sur un problème technique qu'on rencontre. C'est un premier chantier réussi avec Rexel et en espérant que d'autres affaires puissent nous faire continuer de travailler ensemble. Donc une C630. Un client chauffagiste par rapport à un client électricien est avant tout un client, c'est un client Rexel. Il demande exactement le même service. Sa typologie de matériel est peut-être un petit peu différente, une typologie de matériel à laquelle on n'est pas forcément habitué, mais c'est exactement un client comme on en a l'habitude chaque jour au quotidien dans nos agences. Tout de suite. Salut Steph. Salut Fabrice. Ça va? La synergie avec mes collègues en agence est primordiale. Sans eux, on ne peut pas travailler. Mes collègues sont impliqués dans le projet d'entreprise et me remontent les informations, capter les besoins des clients et leurs demandes afin que je puisse ensuite leur apporter toute l'aide nécessaire. C'est un travail d'équipe. Ce qui pose problème, c'est celle-ci. D'accord. Donc, toute cette partie est rééquilibrée. Ok, très bien. Nous sommes à Embrun dans les Hautes-Alpes, dans la société Vial. Cette entreprise générale électricité a souhaité se diversifier et rentrer sur le domaine du génie climatique. Salut Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Ça va? Ça va, très bon. Bien. Et cette bombe à chaleur? Bah écoute, tout va bien. On est passé à la multi-énergie parce que d'une part, le chauffage électrique, c'est 20 à 30% de notre chiffre d'affaires. Et avec les nouvelles normes RT 2012, le chauffage électrique va diminuer. Donc on s'est tourné plutôt sur des énergies renouvelables telles que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique. Ok, très bien. Donc nous avons bien notre pompe à chaleur, nos collecteurs et nos différentes zones. Les deux zones qui sont ici sont accordées sur les deux premières boucles. C'est ça. Jean-Philippe représente l'avenir des installateurs électriciens. De son métier d'électricité générale, il a su passer un cap et s'ouvrir à la multi-énergie. En ce sens, il arrivera toujours à grandir. D'accord. Comme c'est un plancher à inertie, tu auras une réponse thermique à peu près demain, je pense. D'accord. Donc je te le mets à 3 litres minute. Oui. Et si demain tu en ressens le besoin, tu l'augmentes un petit peu. D'accord. Ok? Les deux choses importantes dans mon métier sont de créer un relationnel fort avec nos clients et d'autre part de lui apporter une expertise technique importante.
Ce qui fait la différence chez Rexel sur le marché de la multi-énergie, c'est comme le matériel électrique, la logistique, et aussi d'avoir des personnes à des postes clés afin de promouvoir ces solutions en interne et aussi à notre typologie de clientèle.